Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un unboxing que j'ai gagné sur Facebook, donc de la marque Essence. C'était Noël dernier, je crois, ouais. Noël dernier, c'était ouais, sur tirage au sort. Sur leur page Facebook, j'avais répondu à un truc. Ouais, je crois que c'était les premiers qui répondaient ou qui donnaient une réponse originale. Hein. Voilà, et j'étais super contente quand j'ai reçu ça. Ouais, après, ils disent veuillez nous donner vos coordonnées par message privé, nanana. Donc voilà. J'avais déjà donc ma première palette que j'ai achetée en Allemagne hein, d'ailleurs. Celle-ci. La marque, je la connaissais pas trop, hein. C'est que là-bas que j'ai connue, donc en Allemagne. Elle est superbe belle. Superbement belle. Oh la vache. Elle est trop belle. Donc voilà. Elle est très féerique. Hein. Donc c'est la Magical Forest. All about the Magical Forest. Wonderland. Très jolie. Donc, un petit swatch de la pêche pour voir si la pigmentation y est toujours. Ouais, nickel. Très beau orange. Ensuite, la violette. Très jolie. Ouais, ce sont des couleurs légèrement métallisées. Et la dernière, je vais tester la turquoise. Ouf, ouais, super pigmenté. Donc c'est parfait. Donc voilà. Donc ouais, j'ai mis un petit pinceau double embout mousse. Parce que voilà quoi. Vu qu'il n'y a pas de pinceau avec, autant en mettre une. Enfin en mettre un, je veux dire. Donc voilà. Ensuite. Donc, ce que j'ai vraiment gagné dans le pack, enfin dans la boîte, coffret spécial Noël 2017. Donc, en premier, je vais vous montrer la palette. La palette highlighter et transforming prismatique. Elle est super canon. Donc, c'est pour les deux. Ah, pour les trois. Pour les yeux, pour les joues et pour les lèvres. Ça fait les trois, quoi. Incroyable. De toute façon, de nos jours, on peut tout faire maintenant avec les fards. Donc, je l'ai très peu utilisé. La verte est magnifique. Ouf, ça fait très sirène. Très mermaid. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, la rose. La rose très duochrome, je crois. Y a-t-il des reflets? Ouais. Et ça se voit pas sur la caméra, dommage. Il y a des reflets roses sur du blanc. Et c'est dommage, ça se voit pas. Donc voilà. Et là, ça doit être aussi un duochrome bleuté. La duochrome doré, d'accord. Made to sparkle. Trop beau. Il y a quelques tutos derrière. D'accord, ouais. Ça dit les yeux, les joues et les lèvres. Comme top coat pour créer un effet unique et fascinant autour des yeux, des joues. Ou des lèvres. Les pigments brillants changent de couleur, changent la couleur du fard à paupières, du rouge à lèvres ou du fard à joues. Fonctionnent sur des textures poudrées, crémeuses et fluides. Ouais, c'est polyvalent quoi. Très joli. Ensuite, celui-ci. D'accord. Ouais, c'est un baume à lèvres
qui sent bon la vanille d'ailleurs. Donc c'est transparent comme ça. Et elle est... il y a des paillettes à l'intérieur. Voilà. Je me demande si c'est fluorescent. Ou c'est juste un baume pailleté. Donc on va savoir. Ensuite, où est le bouchon? Il est là. Shine bright like a diamond. Attends. Ça dit ici. Ensuite, un petit collier avec un diamant. Très mignon. Des petits strass. Voilà, j'ai pas osé l'ouvrir, mais franchement, on peut fabriquer des trucs avec. Hein. On peut ou recoudre sur des robes ou des sacs à main, c'est pas mal. Donc voilà, à personnaliser ça. Hein. Il y en a qui mettent dans des paquets cadeaux pour offrir, histoire de bien décorer la boîte de cadeaux, dans la boîte de cadeaux. Et voilà, hein. Faisable aussi. Ensuite. Ça, c'est un... Highlighter pour les yeux. Ouais, un crayon highlighter. Donc, il est nacré. Nacré, on va voir ça. Ouais, nacré doré. C'est un très beau nacré doré. Voit pas bien, dommage. Si je m'éloigne, voilà, c'est mieux. Donc voilà. Très très joli. Ouais, c'est vraiment... y a beaucoup de gold hein, dans cette collection. Collection de fête. Ensuite. Donc des vernis, un gold, avec des gold, ouais, des trucs ronds, des gros paillettes gold, un nacré, enfin pailleté, ouais, nacré blanc, on va dire. Donc voilà, ensuite un marron nacré, il est blanc cassé. On mélange bien, voilà, il est blanc cassé. Blanc mauve ou taupe, ouais, taupe, taupe, on va dire, ouais. Taupe. Et là, un gris foncé, un métal, couleur métal, métallique. Ouais. Y a-t-il les noms des teintes? Non, il n'y a pas de nom. Hein. Ah si, party of your life. Ok. Celle-là, ça dit c'est quoi? Celebrate good times. Ok. Ensuite. Glam like bam. Ok. Don't be too shy to shine. D'accord. Sois pas timide de briller. Enfin, je crois. Ensuite. Pour some glitter on me. D'accord. Ensuite. Un highlighter glow liquide. Donc celle-ci, on va voir. Ouais, en forme de gouttière. Hein. Ah ouais.
D'accord. Ça se présente comme ça. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Ah ouais, il est rose irisé. Il est rose irisé. Donc voilà. Dommage, on voit beige, mais non. Il est rose irisé. Dommage, on voit pas bien, on voit beige. On voit beige doré, mais non. C'est un rose, hein. C'est magique. Ah, dis donc. Bref, ensuite. Un autre crayon. Highlighter crayon. Celui-ci, il est. Ah, il est rosé, contrairement à l'autre qui est doré. Voilà. On va tester. Rose très nacré. D'accord. Sur sous la sous la ouais sur l'arcade sourcilière, c'est pas mal hein. C'est pas mal, on voit pas bien là, avec la lumière. Ensuite, les deux derniers, donc ça c'est un velvet métallique liquide de lipstick. On va voir ça. J'ai du mal à filmer hein, aujourd'hui. C'est un marron métallique. Ouais, c'est un marron métallique, hein. Tout simple. Ça se voit marron simple, mais c'est bien marron métallique. Ensuite, ouais, non, je suis en train de fermer les bouchons parce que sinon ça va sécher, hein. J'ai pas envie que ça sèche. Ensuite, le dernier. Encore un velvet métallique liquide lipstick. Doit être doré, lui. Attends, on va voir ça. Le dernier, allez. Ah non, il n'est pas doré. Il est couleur cuivrée. C'est spécial hein, comme couleur. Très joli. On dirait des sans transfert en plus. D'accord. C'est pas mal, hein. On peut faire des dégradés avec les deux. C'est pas mal. Ouais. Dégradé avec les deux. Le marron foncé, donc en contour. Et l'autre là. Bah ouais, pour le reste. Hein. C'est pas mal. Je vais attendre que ça sèche, je vais voir. On va voir s'il est sans transfert.
Le marron, il a presque séché. Ouais, faut attendre plus longtemps. C'est peut-être des sans transfert, hein, c'est pas écrit. Metallic matte liquide lipstick with high coverage and a super trendy finish. D'accord. Donc rouge à lèvres liquide effet métallique mat pour un fini super tendance très couvrant. On a compris, mais est-ce que il est comment dire sans transfert, ouais. On sait pas. Faut que j'attende. Faut que j'attende, faut que j'attende. On dirait, hein. Franchement, je les remercie infiniment de m'avoir offert ce coffret de Noël spécial essence en 2017. J'ai eu la chance, tirage au sort. J'étais très contente. Mais je crois que je l'ai reçu après les fêtes. Je sais plus, du coup, j'ai pas eu le temps d'en utiliser quelques-unes. Enfin, si, quelques-unes, si, celle-là. Celle-là, je l'ai utilisée déjà. Celle-là, je l'ai eu en dehors de la boîte. Hein, je l'avais déjà. Donc, je l'ai déjà utilisée. Ouais, donc, comme je l'ai dit, je l'ai acheté en Allemagne. À Rossmann, je crois. Les boutiques style Monoprix. Donc, ouais. Celui-ci-là. Il est très joli. Ça, avec un fond de teint, ça passe aussi, hein, pour rendre glowy le fond de teint. C'est pas mal. Donc, voilà. Je suis très contente de ce lot. Très sympa de la part, de leur part. Voilà.